Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril. J'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne avec plus d'abonnés. Bienvenue à vous grâce aux commentaires et à votre implication à ma demande de commenter les vidéos parce que l'algorithme me passait à la trappe. Vous avez été très nombreux. À participer je vous en remercie je compte encore sur vous sous cette vidéo pour que l'algorithme dise oui c'est intéressant ça les intéresse et puisse pourquoi pas proposer mon contenu à plus de personnes donc élargir l'audience et permettre à d'autres personnes de découvrir mon travail on est parti on va aller découvrir maintenant quel signe astro veut parler alors vous vous le savez vous l'avez vu dans le titre moi je découvre et je vais vous montrer aussi un petit quelque chose Sagittaire, signe de feu. Alors je viens de finir le signe du lion, donc qui est passé au montage, bah oui, c'est ça que je voulais faire en fait. Donc je vais vous montrer. Sagittaire, je vous ai fabriqué un petit quelque chose, une petite déco, voilà, pour agrémenter la table de choses pailletées. J'adore en plus, il y a, euh, voilà, c'est encore un prototype, hein, mais il y a une petite... Euh, perles que j'ai faites rouge, voilà, euh, pour rappeler le signe de feu que vous êtes. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies, Sagittaire, déjà principales pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire, Lune en Sagittaire, Ascendant Sagittaire Si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, cette vidéo a des messages pour vous. Alors, on a... Élévation spirituelle. Le 4, le fameux 4, qui nous parle de pouvoir, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de puissance, qui nous parle de récolte, qui nous parle d'abondance. Et surtout, de passer un stade où émotionnellement, en tout cas, c'est là pour l'instant, entre vos actes, vos émotions, votre voix, il y a une posture en fait. C'est l'énergie euh, pratiquement de l'empereur, le, j'allais dire l'impérator. Voilà, euh, le mari de l'impératrice en fait. Donc, voilà. on va voir à côté ce qu'on a. Kiron, la guérison. Ouais, et puis en d'autres decks, vous avez Mercure, le mental. Hein. Alors, est-ce que vous avez guéri votre mental en le stabilisant un peu plus, en vous reconnectant à votre pouvoir supérieur Avec euh, cette carte, hein, on parle d'une élévation, c'est-à-dire, voilà, je prends les choses différemment maintenant, j'envisage les choses sous une autre lumière, j'ai une autre vision du monde. Euh, c'est comme si en fait dans mes ressentis, par rapport à vous, ce mois d'avril, un beau jour, vous, vous réveillez, même avant, hein, cloche de Pâques d'ailleurs, hein, qui arrive. Euh, vous vous réveillez, vous n'êtes plus la même personne. Vous dites, bah c'est drôle, j'aurais réagi avant, et là je réagis même pas, mais qu'est-ce qui m'arrive Ah ben bah, en fait, j'ai tassé un cap. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas tout de suite. On va voir ce que l'oracle nous dit. Focus. Alors, vous avez reçu, hein, des... en fait, euh, je pense aussi à ça, mais euh, quand vous étiez dans une forme de stabilité mentale qu'on a tous, c'est quand on dort. Et je, je vois, euh, voilà, vraiment des, des, des informations comme si, euh, voilà, on vous injectait. Euh, si vous vous réveillez le matin crevé, alors moi, c'est ce que je fais. Un petit morceau de gingembre, ça énergise bien. Euh, Énergiser énergise bien. Ouais. Et euh, ouais, ça, ça permet de, de rebooster. Euh, parce que quand on reçoit des informations pendant qu'on dort, en fait, on... On fait autre chose ailleurs sur, sur d'autres royaumes, ou en tout cas dans une réalité parallèle. Hein, si vous rêvez que vous courez, ne vous étonnez pas d'avoir des courbatures le lendemain, alors que vous n'avez pas couru. Moi, il y a des jours comme ça où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu J'ai dû tirer à l'arc au Moyen Âge, je ne sais pas, mais voilà, il y a de ça. Donc, se réénergiser avec le gingembre peut aider. Après, si vous avez vos trucs et astuces, bien sûr, vous les appliquez. Mais ça peut expliquer pourquoi, en ce moment, euh, vous avez. En fait, je pense qu'au mois de mars, il y a eu des pluies d'informations comme ça. Euh, Migraines, insomnie, voilà, des choses okay, qui, qui, euh, qui expliquent pourquoi aujourd'hui, paf, vous vous réveillez, vous n'êtes plus la même personne. Guérison, hein, les clés, vous les avez reçues. Donc, maintenant, ça peut démarrer. La confiance. Ouais, pendant en fait on vous a empêché de trop bouger pour intégrer euh, pour absorber. Quand on bouge trop on est imperméable à certaines choses alors que pour pouvoir les éponger, les prendre pour nous euh, il, il a fallu en fait euh, voilà notamment la confiance hein. il a fallu peut-être pas bouger l'univers dit "hop oh, tu bouges plus ah. Allez transformation vers l'abondance. Oui, vous êtes une nouvelle personne ici. Hein. Dans la fluidité, l'abondance, c'est la fluidité. C'est-à-dire, ça abonde dans, dans qui je suis. Donc, qui je suis, personne qui est stable, qui a pris le temps de nettoyer. En fait, je me base sur la caméra, donc je n'ai pas, euh, pas le véritable... Euh, voilà, je, on va dire, la distance, elle, elle varie un peu de la réalité. Donc, voilà, j'ai dû apprendre, euh, prendre des clés. Comme si il euh, y avait euh, votre objectif, voilà, il était, il euh, y avait des portes. Hop, vous recevez la, la clé pour la grande porte. Ensuite, il y a une plus petite porte derrière. Vous, oh, bah, vous cherchez la clé. Vous voyez comme un peu euh, les dessins animés à l'ancienne, euh, les tout premiers Disney. Il y avait beaucoup ce, ce, ce personnage qui ouvrait une porte, il y avait une porte derrière, donc il ouvrait l'autre porte. Il y avait une autre porte derrière. Il ouvrait la, porte. il arrivait au petit tout petit truc. Voilà, et c'est vraiment cette image-là que j'ai, qui vous a. Exaspéré, fatigué, laissé sur les rotules. Ouais, mais vous avez purifié. Et là, il y a une opportunité qui se prépare. Hein. Vous avez fait la place nette. Vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer, les couches de croyances. Vous êtes vous êtes transformé, vous êtes devenu. En fait, la confiance, elle vient avec le fait d'aller jusqu'au bout, la fiabilité. On est fiable quand on est stable et surtout. Quand en fait on va jusqu'au bout. Alors l'abnégation, se casser les dents, essayer une méthode, ne pas la laisser de côté, puis revenir dessus en ayant eu un nouveau savoir. C'est peut-être ce que vous avez dû faire. Donc vous avez eu l'impression de, de zigzaguer, de ne pas en finir, de prendre des petites routes, des impasses, des voilà. Mais non, vous y êtes là. Alors immobilisme. Ouais. Alors, il y a un message pour certains, certaines d'entre vous. Ça ne concernera pas tout le monde pour celle-là. Mais on vous dit, en fait, maintenant que tu as passé un cap, euh, c'est comme si vous... ce n'est pas que vous prenez trop d'avance, parce que c'est pas un mal non plus. Mais par rapport à quelque chose, ça indique que vous êtes encore en train de courir et donc que vous ne l'avez pas et que vous n'êtes pas comblé. Des fois, qu'ils euh, stillness, hein, c'est un peu comme sur le transat. Vous bougez pas, voilà. vous avez pris la consistance euh, soit d'une médule sur la plage ou bien euh, d'une statue sur son, sur son socle. Mais c'est là que les papillons viennent se poser, parce qu'ils ont confiance dans le fait que ça ne bouge pas, qu'ils ne craignent rien. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, bah en fait, si tu bouges trop, t'indiques que c'est pas là, que tu n'as pas confiance, euh, tu n'as pas confiance dans les ressources que tu es en train de déployer, que tu ne l'as pas, pas à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être cette clé-là que vous allez d'ailleurs recevoir. Si ça ne vous parle pas encore, il y a des personnes qui le font de plus en plus. Et d'ailleurs, merci de le dire parce qu'elles reviennent à la fin du mois réécouter la vidéo. Elles se le mettent dans à regarder plus tard. Il y a une playlist. Hein, vous pouvez vous faire une playlist. Et il euh, y a une personne tout à l'heure qui d'ailleurs me l'a dit, elle m'a dit je suis revenue sur la vidéo. Et d'ailleurs, merci parce que au début de mois, je ne voyais pas forcément. Et maintenant je l'ai vécu, je comprends mieux. Et revoir la vidéo me permet de d'acquérir en fait de nouvelles perceptions alors on a la simplicité pour moi vous allez élaguer tout ce qui est euh, bah, tout ce qui doit dégager en fait il euh, y a un nouveau départ hein. sous-jacentement je le sens je le sens euh, voilà as de as de as de bâton as de coupe je, voilà là on pourrait avoir euh, bah, comme les lions d'ailleurs le pendu ça peut être l'ermite, la papesse, une carte qui est plutôt cool, Raoul. On apprend, on comprend, on reste sur son transat. Et donc, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Mmh Arcane sans nom. Et regardez, je n'y ai pas touché, la position dans laquelle l'arcane est tombé. L'arcane est tombé et il nous dit ici, avec la mort et la renaissance qui a, en fait, on vous dit, et confiance, on sait où on t'emmène. Donc il y a une petite résistance aussi, dans le sens, je, je, euh, on me demande de couper avec cette pratique, mais moi, elle me sécurise. Oui, mais est, elle est peut-être pas cohérente avec ce que tu te souhaites, plus de simplicité. On vous dit peut-être, euh, ouais, il y a une, une vigilance, comme un besoin de vérifier, oui, mais si je fais ça, oui, mais euh, imaginons, je ne bouge pas. Euh, avec tout ce temps, la personne, elle va m'oublier si je la relance pas et que je lui envoie pas un message. Mais ça, c'est pas compatible avec la confiance. Une personne confiante, elle va se dire, bah, quoi qu'il arrive, ça tourne en ma faveur. Donc, euh, comment dire, si vous avez fait le nécessaire. Je pense, je suis très euh, pragmatique, hein, mais euh, imaginons. Vous avez postulé, vous avez envoyé votre CV, vous avez envoyé donc votre candidature, euh, vous avez vérifié la pièce jointe, l'email et tout. Bon bah voilà. Après, vous lâchez. C'est là qu'il faut lâcher. Alors que un œuf de bâton va toujours s'assurer d'avoir fait le nécessaire, donc est en vigilance constante. Ces deux cartes ne sont pas un bon mélange pour le repos de l'esprit. C'est ce qu'on pourrait appeler en fait du oui, de la vigilance constante, le mode survivor, euh, le stress, l'angoisse, mais aussi le burn-out. Voilà. Il faut, il faut, il faut, il faut, je dois, je dois, je dois, il faut, je dois, il faut, j'y dois. Il faut, il faut, voilà. Donc, au bout d'un moment, <laughs> on ne peut plus. C'est la cheminée, là. C'est vraiment, ça tourne à plein régime. On est, on est sur les rotules, on ne sait même pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une forme de résistance, alors consciente ou inconsciente. Hein. C'est-à-dire, dans vos actes, c'est comme si vous deviez constamment vérifier. Oui, mais attends. Euh, moi, si, si je coupe, euh, voilà. j'accepte le silence radio, mais à force de silence radio, bah, peut-être que la personne... Euh, nanani, je vous ai dit ça 11 minutes 11, mais avec le générique, ce sera décalé avec les secondes euh, du générique. Mais voilà. Oui. Oh, on relâche, on relâche. La confiance, le travail de confiance euh, fait que vous allez être l'univers, en fait. OK, je vais avoir confiance, je vais incarner cette personne qui a confiance. L'univers va vous envoyer quoi des situations qui vont peut-être vous déstabiliser pour que vous réagissiez comme une personne qui a confiance. OK, il a dit ouais, d'accord, allez. Ouais, d'accord, OK. C'est normal, la personne travaille, euh, c'est le résultat de qui j'étais avant qui n'avait pas confiance, donc forcément là ça se matérialise, bah c'est bien. Maintenant moi je vais incarner cette personne euh, qui a confiance, qui est stable, qui se simplifie la vie. Euh, transformation, on vous emmène vers une meilleure version de vous-même avec de la réciprocité, tel je donne, tel je reçois. Regardez cette tranquillité du roi de coupe, la maturité du roi de coupe et surtout la stabilité émotionnelle. Je choisis ce pourquoi je réagis. Donc je vais preuve de sagesse. Et surtout, tel je donne, tel je reçois. Si j'envoie des doutes, je reçois. De quoi douter Si je suis tranquille, je reçois. De quoi être encore plus tranquille D'accord. Donc méfiez-vous si vous entendez des contenus sur la loi d'attraction. Fais ci pour avoir ça. Non, c'est pas. Je suis tranquille donc. Enfin, euh, comment dire. Euh, je veux ça donc on me l'envoie. C'est plutôt je suis là-dedans donc on m'envoie de quoi être dedans encore plus. Ok. Donc si vous êtes dans l'amour on vous envoie encore plus d'amour ou encore plus de quoi vous sentir dans ce bien-être. Ok. Ça très important. La pureté, qu'est-ce qu'on a pour vous Alors elle est tombée. Ah bah déjà on a le soleil en dos de deck. Oh elle s'est coincée. Si je roule, si je fais encore, c'est stressant. Si je roule, je recule, j'écrase la carte. Donc je vais devoir faire du sport, évidemment. Voilà. Il y avait la, la, la roue comme ça. Et elle était vraiment coincée comme ça. Donc si je roulais, je risquais de. Et en plus, c'est tempérance. Vous imaginez bien que on n'a pas envie de l'écraser celle-là. Donc tempérance avec la pureté. Vice communiquant. Et pour moi, ça se passe sur d'autres royaumes. Clairement, si vous avez quelqu'un en tête, si vous pensez à elle, dites-vous que potentiellement elle pense à vous. Mais c'est la façon dont vous allez y penser. Qui fait qu'elle aura une certaine manière de penser à vous. Là, il y a un rayonnement, il y a un équilibre, il y a eu un travail sur la confiance en soi, sur le chakra solaire, sur ce que vous faites. Chakra solaire, le verbe ça va être je fais. Voilà, quoi que je fasse, j'ai confiance dans le fait que je réussis parce que c'est aussi de la réussite. Hein, on va pas. Voilà, donc même si vous devez rien faire. Peut-être que vous n'êtes pas habitué, on va dire que l'oisiveté vous fait peur, mais là, c'est n'est pas de l'oisiveté, c'est une co-création avec, euh, on va dire, un, un, des instances, et que vous, en ayant reçu le message, en ayant compris, en ayant fait ce que vous pouviez faire dans la matière, et surtout devenir donc, cette version de vous immatérielle, votre moi supérieur, le, le moi supérieur, c'est tout simplement la version de vous future qui match avec la version de vous de maintenant. Donc en tant que vous supérieur, à quoi vous réagissez, comment vous vous sentez, ces deux questions-là vont vous permettre d'incarner davantage, de vous rapprocher, de fusionner et donc d'être en paix, d'être dans le yin et le yang, je reçois, je fais, je reçois, je fais. Yin, je reçois, j'accueille, je réceptionne, enfin je réceptionne, je reçois, c'est quasiment pareil. Euh, J'écoute, j'observe et j'agis. Et je décide et j'agis. Voilà, dans l'outil complétude, j'ai expliqué hein, cette manière de, voilà, de pouvoir euh, finalement aborder les choses dans le bon sens. Mon cœur parle, mon corps traduit, mon mental comprend la consigne et ensuite, voilà, ça s'anime. Alors, stillness. Donc, l'immobilisme, presque gelé. Hein. Peut-être que vous sortez aussi d'une période euh, très. Euh, comment dire Vous avez dû courir. Ah, bah oui, bah, voilà, on l'a. Hein. La tour. Oh Alors, coup de foudre ou rupture brutale qui fait qu'aujourd'hui, vous travaillez donc à accepter euh, ce changement à couper avec une partie de vous. Qui jusque-là était familière, donc quasi sécurisante, mais qui aujourd'hui est inappropriée pour votre vie amoureuse, pour vos projets, pour ce qui est destiné, hein, c'est-à-dire vocation, hein, en termes de professionnel par exemple, projet de vie, un hein, déménagement, un voyage, euh, s'acheter la maison de ses rêves, peu importe. Là, ici, les amoureux vont représenter cette version de vous que vous choisissez d'incarner. Peut-être que, alors, il va y avoir aussi quelque chose qui n'est pas de votre ressort mais comme une intervention et qu'on vous demande de lâcher prise parce que si par exemple vous voulez vous en charger ça va pas donner le résultat que l'univers a prévu pour vous ou les dieux ou les guides ou dieu ou allah ou vous l'appelez comme vous voulez mais là on a ce côté c'est supérieur à toi cherche pas <laughs> repose transate lecture chill netflix euh, ce que vous voulez comme plateforme qui vous permet de vraiment de vous simplifier la vie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre du karma, c'est-à-dire on vous a muselé, vous avez été pieds-points liés. Je serais pas étonné qu'on ait du 8 d'épée, par exemple, dans le sentimental. Pour travailler la confiance, euh, je vous rappelle, en hein, d'autres decks, vous aviez fait euh, voilà, le mental. Donc, reprendre les rênes. C'est-à-dire, oh, c'est moi qui décide, le cerveau, il est juste là pour dire Ah, tu veux des Choco Pops Ok, placard de gauche, bol, lait, euh, le lait avant les céréales. Non, les céréales avant le lait. Non, euh, lait chaud, lait froid, les machins. Ah, en fait, j'aime pas de lactose. Bon, ok, on va pas prendre. Voilà, ouais, ok. Et donc là, vous dites Non, 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 non. Le cerveau, il est juste là pour. Vous avez décidé. Hein, c'est comme aller faire les courses. Vous avez votre liste de courses. Ça, c'est ce que votre cœur vous dicte. Ensuite, votre mental, il va dire là-bas, là-bas. C'est euh, tu veux des éponges. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Rayon des éponges. Vous n'allez pas traîner dans le rayon des congelés en vous disant mais qu'est-ce que je suis venu faire déjà. Voilà. Donc la vie a pu vous proposer des échantillons. Pour que vous établissiez vraiment ce que vous voulez, de la réciprocité, du partage, et surtout vous libérer d'une sensation que si vous ne faites pas, alors il ne se passera rien. C'est l'antithèse de la confiance. C'est s'agiter alors il euh, y a un yin et yang aussi, c'est-à-dire je fais, l'univers euh, travaille avec. C'est un travail d'équipe. Vous voyez Alors, simplicité, roi de coupe. OK et trois de bâtons. Là, il y a quelque chose qui est en train. Alors, dans Embrasser, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai lu Embrasement. Parce que j'ai vu le... Voilà. Et euh, en fait, ouais, on vous a fait travailler la sécurité, la joie, l'authenticité, voilà, pardon. <laughs> et le pouvoir. OK L'action. Le pouvoir décisionnaire de savoir quand il faut agir, ça c'est tempérance, c'est justice, hein. c'est même du 6 de denier. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai cliqué sur envoyer, maintenant je ne vais pas courir après l'email, je ne vais pas courir jusqu'à aller chez le destinataire de l'email pour dire tu l'as bien reçu, hein. tu l'as bien reçu, tu vas me répondre, tu vas me répondre. Vous voyez, c'est oppressant. Et là, on vous dit, ok, j'ai fait le nécessaire, bon ben voilà, j'ai confiance, on vous fait travailler la foi et le lâcher prise en même temps. Alors, je garde la tour, parce que j'ai envie de poser la question, c'est quoi cette tour C'est qui Ça peut être quelque chose que vous détruisez, que vous déconstruisez, pour aller vers cette pureté, cette simplicité. Ça peut être le fait d'être muselé, ça peut être aussi un coup de foudre avec quelqu'un, ou bien un big badaboom. Je sens bien une personne qui sortirait du... Comment dire Du bosquet, comme que... « Coucou, c'est moi !» Tu te souviens de moi Enfin, c'était... Euh, voilà. Je, je le sens bien comme ça. On va voir, hein. je vais demander. Ah tiens, non, attendez. Je vais faire ça. Je veux savoir, justement. On va demander si on peut avoir plus d'informations sur la tour. Moi, pour moi, vous déconstruisez tout ce qui est inutile, superflu, superficiel. Pureté. Voilà, vous, vous purifiez. Oh là là, alors on vous demande d'avoir confiance, regardez réparation. Réparation, c'est une carte de réconciliation pour les personnes dont la préoccupation aujourd'hui est une réconciliation, bien quelque chose qui revient, qui se... Vous savez, comme un fil où la guirlande, elle ne peut pas euh, s'allumer. Parce que, euh, parce que voilà, c'est en mêlée, donc on a pris le temps d'en de démêler, pardon. Et puis, hop, on rebranche, et là, tac, ça s'allume. Regardez, hein, je, je dis ça parce que je voyais les étoiles, en fait, et cette guirlande comme ça, enfin, cette, euh, cette, euh, voilà, ces fanions euh, farandoles, quoi. Donc, confiance, c'est drôle. Alors, ben voilà, on va la mettre euh, trust. Alors, on a eu autre réponse sur la tour. Ouais. L'arcane, la, son nom, qui est tombé tout à l'heure, un peu mi-fig, euh, mi-raisin, mi c'est Résiste pas, on sait où on t'emmène. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Mais en, en disant Mais oui, mais il faut que je, je m'assure que Nanani, que c'est bien, j'ai bien entré ça dans le GPS, mais il me fait passer. Imaginons, hein, vous voulez aller à Rome, vous partez de Bruxelles, et on vous dit euh, Direction Paris. Vous allez dire Ben bah non, direction Rome. Non, non, tu passes par Paris pour ensuite passer par euh, retrouver la a pour aller vers Lyon. Puis voilà, hein, vous regardez la carte routière et vous allez... Ah oui, mais pendant que vous regardez la carte routière, vous n'êtes pas en train de rouler. OK Donc, moi, je me parle. En fait, je, je me parle comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Et si tu étais dans la voiture en train de conduire vers ton destin, ta destination, dans quel état tu es là la... Donc, dans. La méfiance, dans le besoin de sécurité. Donc, je vais regarder chaque panneau en disant Attends, attends, il me fait passer par là. Là, j'ai vu le panneau. Ok, d'accord, c'est bon, je peux continuer. Mais en fait, on, on, on ralentit ou bien on s'arrête pour checker, pour vérifier. Et là, j'ai l'impression qu'on dit Stoppez ce mécanisme. C'est ça que vous devez déconstruire, détruire avec la tour. Parce que ces petites actions-là indiquent que vous n'avez pas confiance. Alors, on a 7 de deniers, le pape. Oh là là, je sens que. Oh Tempérance Deux fois. Vous allez vers une guérison, un équilibre, de la réciprocité. Ouais, et vous, maintenant, il y a une maîtrise. Moi, c'est ce que je ressens avec le 2 de denier une, ma... une maîtrise entre le concret, c'est-à-dire le résultat d'hier et ce que je veux de demain. Donc, j'équilibre, je deviens cette personne. Qui prend ce qu'elle a à prendre d'aujourd'hui. Euh... <coughs> ouais, repos du mental. Qui lâche prise sur ce qui n'est pas encore arrivé ou ce qui s'est produit. Et qui, se re... qui a le pouvoir de se recalibrer tout de suite, vous voyez Qui se réajuste, qui se... Hop, hop, attends, réagir comme ça, ça sert à rien. C'est pas... Enfin, la moi, la version de moi, pardon, que je veux être, a confiance. Si par exemple... Bon, on va dire que ça c'est un téléphone portable, parce que je n'ai pas de télé... le seul téléphone que j'ai là dans, dans la pièce, c'est celui avec lequel je filme. Imaginons, vous ne le voyez pas là, il est, mais il est là. Mais vous ne le voyez pas. Si Vous pouvez vérifier, hein, il n'est pas là, mais il est là, il existe. Donc vous transposez une personne, un projet, que, que, quel que soit le, le domaine qui aujourd'hui vous intéresse, vous savez que c'est là. Mais ce n'est pas parce que ce pas là, que vous, parce que vous ne le voyez pas, que ce n'est pas là. Maintenant, en l'ayant, vous n'êtes pas en train de vérifier. Si vous l'avez sous les yeux, vous n'êtes pas en train de vérifier où est-ce qu'il est, qu est puisque vous, vous l'avez là, ce téléphone. Oui, allô C'est Janine, c'est Tata Janine. Pardon. Donc, vous l'avez, la preuve concrète. Sauf que, pour avoir confiance dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé, il faut ignorer le fait qu'il ne soit pas là en se disant. Mais il existe, il est là. Alors, voilà, c'est comment dire, il faudrait plus de temps pour l'expliquer. Ça, je l'ai fait sur Patreon, je le fais au quotidien avec euh, les contributeurs Patreon. Euh, là, on va le faire vraiment au quotidien parce que j'ai euh, élaboré un programme avec euh, voilà, des, euh, des petits exercices à faire, des choses à comprendre, comment ça fonctionne, etc. Maintenant, alors, c'est exclusivement pour les abonnés actuels. Maintenant, je mettrai d'autres choses en place pour les nouveaux arrivants. Il hein, n'y a pas de problème, ces choses-là existent. Mais il y a ce côté, bah oui, si je vérifie, je suis en train de dire que c'est pas là, que c'est absent. Donc on m'envoie quoi bah, de quoi être dans l'état de vérifier. Donc encore moins, encore plus d'absence. Imaginons que vous dites, bah voilà, je prends mon téléphone, je regarde mes notifications. Ah bah j'ai pas de message de la personne, j'ai pas de nouvelles de ce projet, ou euh, on m'a pas répondu. Est-ce qu'il faut que je relance Est-ce que faut machin Ça c'était le neuf de bâton. Et c'était surtout l'antithèse de la confiance. Donc on vous dit non non. En fait, euh, il m'arrivait une anecdote. Tiens, euh, je vous la raconte deux secondes. Euh, tout le monde et à l'époque en plus c'était vérifié. Tout le monde me disait mais ma pauvre tu t'y es prise trop tard pour ton passeport. Donc il fallait que euh, j'ai euh, mon passeport, euh, un nouveau passeport de fée pour pouvoir rejoindre mon chéri et tout. Et tout le monde me disait, enfin tout le monde. Des personnes qui me disaient, mais tu ne l'auras pas, hein, il y a six mois d'attente et tout, et moi j'étais là, bon, je dois ignorer ça, c'est-à-dire de te denier, hein, et choisir la version de moi qui a confiance dans le fait que les choses se sont passées bien, euh, que je suis donc dans la, à la destination dans laquelle je voulais être et avec la personne euh, avec qui euh, je partage euh, ma vie. Et tout le monde me disait, ben non, je regardais sur les sites, en ce moment il y a six mois d'attente, oui mais dans tel machin et tout, euh, va à telle mairie, euh, nanani, moi je l'ai eu en, en quelques semaines et tout, et je me disais mais quelques semaines c'est même, euh, voilà, j'aurais beaucoup de chance, mais c'est encore trop tard. Et je me suis dit, je l'ai dans les mains, j'ai tout simplifié, je l'ai dans les mains, j'ai pris un passeport actuel. Euh, j'ai fait, ah, oh, il est à moi et tout, oh, il est tout neuf et tout, c'est cool. Et j'ai lâché. Je me suis dit, la version de moi qu'il a ne va pas voir sur le site de la production, la NTS, euh, s'il est euh, fait. Donc au début, je le faisais quand même pour me rassurer. Donc ma demande a bien été prise en compte puisque je suis passée à la mairie déjà. Alors, pour vous dire, là où j'ai eu énormément de chance, c'est qu'entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, et une personne a pris rendez-vous quasiment en même temps que moi. Moi, je l'ai eu. Donc, j'ai appelé le 26 novembre, facile à m'en souvenir. C'était l'anniversaire de mon neveu. Et j'ai eu rendez-vous le 2 décembre. Une personne a pris rendez-vous le, je ne sais plus, c'était 27, 28 ou un petit peu après. Elle l'a eu en avril, son rendez-vous. Donc, voilà. Et euh, je me suis dit, arrête d'aller checker. Parce qu'à chaque fois, la réalité 3D me montrait qu'il n'était pas là. Et j'entérinais le fait que le, le passeport n'était pas là. Et puis j'ai tout lâché, je me suis dit, je l'ai dans les mains, je suis partie. Donc au quotidien, qu'est-ce que je fais Mes valises. Je m'extasie de oh, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Je vis dans la moi qui est sur place, à l'autre bout du monde. Si vous me suivez depuis plus d'un an, vous savez de quoi je parle les poules, le chien, et notamment. Alors il y avait une vidéo Capricorne où le chien m'a prévenu qu'il y aurait un séisme et il y a eu un tremblement de terre juste après. Donc. Je suis là-bas, tout va bien, et je suis donc une version de moi qui est dans la confiance, puisque tout s'est produit en ma faveur. Mais je ne sais pas moi comment ça se passe. Est-ce que c'est Pascal ou Christiane qui a traité ma demande Est-ce qu'ils euh, euh, l'ont envoyé dans le truc de le site de production Ah, parce que je connais maintenant. Et donc, est-ce qu'ils l'ont envoyé au site de production qui se trouve nanani, nanana, et tout Je me dis, mais on s'en fout, c'est pas mon affaire. Je l'ai dans les mains. Quand vous recevez euh, ou vous, vous jetez vos poubelles, vous ne dites pas euh, est-ce que la personne qui ramasse mes poubelles, que va devenir mon. Tiens, le stylo que j'ai jeté, le coton-tige, est-ce qu'il va être euh, euh, recyclé en brosse à dents Non. Vous lâchez. Ben là, en fait, on vous dit faites pareil. Donc, pour la petite histoire, j'ai eu mon passeport trois semaines après, quand j'ai reçu le texto, en fait, j'avais visualisé. Euh, je, je, je m'étais dit bah, comment ça se passe à l'heure actuelle hein, parce que depuis euh, 10 ans euh, ça a changé et en fait j'ai reçu le sms parce que je savais qu'on recevrait un sms, vous pouvez aller chercher et donc moi je, tous les matins je disais oui je l'ai, c'est trop cool je pars à telle date et tout bah voilà, trois semaines alors que les délais en moyenne c'était six mois voilà donc huit d'épées cinq de bâtons 8 d'épée, 5 de bâton, c'est un peu euh, la foire à l'empoigne, je me précipite, je, 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 je multiplie, euh, par exemple, j'achète un livre parce que ça me parle et que ça va me permettre d'avoir confiance, mais je ne le finis pas, donc après je me sens un petit peu, oui mais non, mais Zazdro, nanani, ce c'est pas pour moi, ou en fait c'est un peu, il y a aussi du on-off, et on vous dit, l'étape supérieure, c'est de se stabiliser et de composer avec en se disant... Ok, il y a une petite baisse de régime, il y a une petite baisse de morale, il y a une petite baisse d'optimisme de, euh, de, parce qu'il y a effectivement euh, ce check dans la matière. Ok Comme si vous allez, euh, voilà. En fait, vous n'êtes pas la version de vous qui savoure le poulet, vous êtes la version de vous qui va checker toutes les deux minutes si le poulet est en train de cuire, donc vous empêchez une cuisson euh, optimale. On va dire ça comme ça. Alors, c'est humain, c'est humain. Tout le monde le fait, mais plus vous resterez concentré sur le comment, qui n'est pas votre affaire, ça c'est l'univers avec les miracles, hein, plus vous allez en fait bloquer sur une version de vous qui ne l'a pas. Donc si vous êtes pragmatique en vous disant aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que je dois faire évoluer, les bonnes nouvelles, la stabilité, malgré l'impermanence de la vie. La vie est impermanente, elle bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, mais maintenir un état demeurer quelqu'un de stable, c'est de dire, ok, ça, ça vient d'arriver, une mauvaise nouvelle. mais il y a des solutions. au lieu de se concentrer sur le problème, je vais donc être cette personne qui a trouvé la solution, donc déjà je me sens soulagée. maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans la matière là concrètement? appeler l'organisme, euh, dis vouloir discuter avec la personne. oui, mais si on ne répond pas, eh bien, c'est comme ça, j'aurais fait euh, ce que je pouvais faire. et je me rebranche. À la personne, donc la version de moi qui a eu cette solution. Donc je choisis, je me choisis, enfin je me choisis. Se choisir, c'est choisir une version de soi. Et donc osciller tout le temps, c'est l'instant présent, osciller tout le temps entre la version de soi du passé. Imaginons, vous tombez enceinte ou vous apprenez euh, qu'une personne est enceinte parce que tout le monde n'est pas là-dedans, hein. déjà des messieurs. <laughs> Organiquement, je crois que c'est toujours pas possible. Néanmoins, vous connaissez forcément une personne qui dès qu'elle a appris donc, euh, sa grossesse, n'était pas encore mère. Il y a neuf mois hein, de processus, huit mois et demi, neuf mois, voilà, des fois moins pour euh, les personnes dont l'enfant est prématuré. Moi j'en suis une, hein, donc euh, voilà. Et euh, enfant prématuré, je veux dire, pas une maman. Mais vous allez donc abandonner cette ancienne version de vous. Qui buvait, qui fumait, qui machin, qui nanana, pour coller à cette version de vous qui a mis au monde un bébé en bonne santé. Et après, euh, qui je vais être comme mère, comment je vais être, euh, voilà, euh, dans quelle école, la chambre, préparation, l'achat de des de, de poussettes, landau, tout tout, bah, tout ce qu'il faut quoi. Moi je ne m'y connais pas trop, mais j'ai vu avec mon petit frère comment ça se passait et avec mes neveux ensuite. Donc il y a l'idée de se dire, je fais le bilan, là, le set de denis, regarde tout ce qu'il a mis en place, ses acquis, ses atouts, ses qualités, ses compétences, ses dons, son talent naturel, et il va évoluer. C'est-à-dire vers cette meilleure version de soi qui sait se stabiliser malgré l'instabilité des fois des choses. C'est-à-dire, imaginons... Vous êtes positif, vous, êtes, vous faites le nécessaire, vous avez. Euh, voilà. Mais la 3D, donc dans la matière, vous vivez encore des trucs euh, qui vous mettent dans cet état-là. Ben bah non, on vous dit, mais arrêtez d'y réagir. C'est ça, en fait, qui va vous permettre d'être cette personne qui a confiance. Je vous le dis, alors, j'ai beaucoup de Sagittaire dans mon thème astral. Je vous parle comme je me parle à moi, d'accord Il n'y a pas d'injonction à être, à faire. Voilà, je, je, juste, je veux juste, je veux vous booster. Je veux que vous ressortiez de cette vidéo avec le cœur repulpé. Voilà, comme, voilà, ça m'a bien secoué, je suis repulpée. Allez, c'est parti, hop Gardez-la, cette vidéo, hein, parce que moi, je pense que la fin va être folle. Alors, retombée positive. Bonne, oh, bonheur total, attendez il y a bonheur total, je garde, mais derrière, il y a mauvais oeil. Oui, ça peut être votre dialogue. Événement proche. Réponse déjà en soi. Par exemple... Non, j'ai rien. Je ne peux pas le faire. Non, non, je ne peux pas. Je vais le faire avec ça, regardez. Euh, petite démonstration. <laughs> je vous fais une démo, carrément. Donc, on a cette plante. Voilà. Et euh, imaginons... Euh, je, je cherche, je fouille, je me demande et tout. Puis paf, en fait, pour vraiment checker si ça a bien pris, j'arrache pour voir les racines. En fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai stoppé le processus de cette petite plante qui se porte très bien, que je vais d'ailleurs bientôt arroser. Le substrat commence à s'assécher, donc c'est bon. Alors voilà, je la repose ici. Elle aura plus de lumière indirecte que ici. Donc en fait, en vous disant ben bah oui, si à chaque fois je vérifie, je stoppe le processus. Ok, donc j'arrose de mon optimisme, de ma confiance, et c'est tout. C'est un peu un jour je me suis dit, mais en fait j'agis comme si je faisais un bras de fer à l'univers en disant c'est à moi de m'en occuper, l'univers il fait ok. Ouais, moi je suis plus puissant que toi. Tu veux jouer au bras de fer avec moi D'accord. Foudre karmique. Enfin non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt tu persistes et tu résistes. Donc, bah, je l'ai mal vécu. Voilà. J'ai... Euh, comment dire euh, J'ai revécu quelque chose qui pourtant, euh, je conscientisais que c'était pas bon pour moi. Et je me suis dit, mais quoi Mais qu'est-ce que mes machins Et en fait, quand j'ai lâché prise, je me suis dit, mais... En suivant mon intuition ou en, en, en comment dire en prêtant mieux attention à, à ce qui m'arrivait et surtout ce que je choisissais de croire, eh bien c'est pour ça que certaines choses se sont précipitées. Dès que je les ai choisies un peu mieux, ça a commencé à s'améliorer. Pour moi, vous devez rompre avec. Euh... Alors je vous montre ce qui se passe en fait. Alors, j'attends que ça fasse ce point. 4 44 444 peut, euh, tempérance peut-être que vous voyez 14h14 4, 14h44 4h44 du matin 444 que sais-je hein. numéro de commande 18 92 32 444 voilà Ça arrive quand on est en pleine transformation qu'on est en train de stabiliser. Il y a une rupture. Il est question d'une rupture. Donc vous, pour les personnes qui ont rompu et qui voudraient euh, réparer. Ok. On vous dit déjà l'acceptation de la situation. Oh bah en plus, acceptation en d'autres decks. Ouais, rancune. Ouais. C'est comme si on vous disait euh, là, tu t'en veux ou tu, tu en veux à la personne, mais en fait, tu en veux à une version de toi. Et à la version de la personne en face de toi qui n'existe plus. Donc, en les faisant encore vivre, euh, c'est comme si vous racontiez par exemple Oui, mais tu comprends, il a fait ci, il a fait ça. Mais en fait, euh, vous entérinez que la personne est comme ça. Donc, c'est comme si vous le commandiez un cappuccino froid. Alors que non, vous, vous dites Bah non, euh, en fait, là. La personne a radicalement changé, c'est normal puisque j'ai radicalement changé. Alors, Tempérance deux fois quand même, hein, dans deux jeux différents, m'indique fortement un lien miroir. Quelqu'un qui vous a fait travailler à réparer des parties de vous, à rétablir, j'entends rétablir, tout à l'heure on avait Justice la Tour, à rétablir une forme de vérité, une forme d'authenticité, une forme de confiance dans le fait que les choses vont se produire parce qu'il n'y a pas de raison, mais... Euh, Sagittaire, je me souviens très bien de ce que je vous ai dit le mois dernier, hein, dans la guidance de Mars. Couplez-les, hein. la combativité c'est terminé. En fait, le mode comment euh, le mode combattant, guerrier, euh, euh, ça doit être difficile euh, si, si je l'obtiens. En fait, non, ça doit être difficile. Ce que je veux le plus, euh, c'est difficile, ou bien c'est pas facile, euh, ou bien il faut que je me batte pour l'avoir. Terminé. Vous êtes encore dans la lutte, la résistance, le, la combativité, euh, la. Euh, voilà. Et en fait, ça bloque la fluidité. Donc on vous dit, lâche, 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 pause, 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 on son... Attends, je vais faire. D'accord Co-création avec l'univers. Hein. Je pense que vous l'intégrez beaucoup mieux aujourd'hui. <laughs> Pardon. Alors, relation houleuse et effectivement lien miroir. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, euh, oui, ça concerne un lien miroir. Maintenant, on a les problèmes, la rancune. Hop, 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 on se calme. Alors, il y en a une qui est tombée à l'enfant intérieur, abandon. Elle est où Elle est là. Faut je... Ok. Attendez, déjà, je vais faire ça comme ça. Hmm. Ça me gratte le nez, j'ai l'impression que ça... Enfin, ça vous gratte aussi, mais bon. Alors donc on a l'enfant intérieur et l'évidence. Voilà, je zoome et pour les personnes qui me regardent en podcast, tant pis, vous lirez les commentaires. Non, je plaisante. Il y a marqué 4. Et je vous dis ça, 40 minutes de vidéo. Là on a le 14. On a euh, 24, 47, 4, 14. Euh... J'ai l'impression que vous êtes pourchassé par le 4 sans savoir. Mais c'est ça. La réponse, elle est là, l'élévation spirituelle. Voilà, elle est là. Votre réponse, vous êtes en pleine élévation. On a le pape hein, qui vous dit, bah ouais, là ton challenge, c'est parce que tu es en train de passer un nouveau niveau. Donc au début, c'est bien. Euh, si on prenait un jeu vidéo, vous êtes dans votre niveau et tout, vous savez où se trouve l'armure, vous savez où se trouvent les pansements pour guérir, vous savez où se passe, parce que euh, vous avez tourné déjà dans ce niveau. Et quand vous passez au niveau supérieur, c'est inconnu. Vous avancez pour vous familiariser un petit peu. Donc là, vous avez un enfant intérieur qui est là. Ah bon, il y a des cadeaux, il y a des. Pour moi ben Oui, en fait. Mais c'est cette famille. Enfin, cette, ces habitudes-là qu'on vous fait travailler, oui, ça peut se régler. Alors aujourd'hui, il y a relation houleuse, problème, on a une rupture, rancune, euh... flashback de vie antérieure. Et il s'est passé quoi Alors, vie antérieure, oui, mais déjà, si vous êtes incarné, euh, on peut avoir beaucoup d'informations sans aller dans les vies antérieures. Déjà, faire une hypnose régressive pour revenir ou vous souvenir de, dans le cadre, le cadre dans lequel vous avez vécu. Le modèle parental, parce que peut-être que sans le savoir, vous avez tellement peur de le reproduire que c'est comme si vous disiez au resto, je ne veux surtout pas manger ça parce que je me suis déjà brûlé une fois. Oui, d'accord. Mais du coup, vous voulez quoi Non, mais je veux surtout pas ça. Oui, mais vous voulez quoi Bah pas ça. D'accord. OK. Faites-le au resto. Moi, je le dis en guidance privée. Allez-y, faites-le, vous allez voir la réaction. Bon, c'est confirmé, il y a des liens miroirs là dans cette histoire. OK. De toute façon, chaque personne est un miroir de nous-mêmes. On a du 11, on a du 33, on a effectivement, alors, une transition, et là, on a du 31. Regardez, 44. Derrière, 40, euh, 43, la guérison des traumas. Sur la famille, en fait, il y a comme une rébellion tranquille, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est-à-dire, OK, au lieu de m'offusquer, de réagir pour des choses qui, en fait, voilà. Si j'ai confiance, je sais que les personnes vont me comprendre, que je n'ai pas à m'agiter pour leur faire comprendre, à dire, regarde, mais moi, je fonctionne comme ça. Non, non, non. Je donne le manuel, la personne, après, elle se débrouille. Ce pas mon problème. En fait, c'est là où vous lâchez prise. C'est pas mon problème comment il agit. Donc, au lieu de lui en vouloir, de ne pas me comprendre, je me dis que je suis aussi son miroir. Il y a deux personnes. Hein, L'un qui regarde l'autre, l'autre qui regarde... Le... Voilà. Donc, le passage, c'est effectivement euh, ce côté... Euh, il faut aller jusqu'au bout. Alors, je vous montre dans le livret ce que veut dire le passage. Donc, le passage, c'est effectivement ce pied du mur. C'est-à-dire je dois trouver une stabilité. Hein, les décisions prises et les actes commis auront un impact sur le futur. Dans le sens où, alors, il s'agit d'un blocage commun. Donc s'il y a des rancunes, vous êtes effectivement face à un mur et vous devez équilibrer au quotidien parce que vous avez une personne qui peut-être résiste un petit peu. Ou alors vous résistez. Mais on va dire déjà vécu. D'accord Transcendez. En couple, on lui donne une chance de trouver une voie inédite et de l'emprunter avec le partenaire, main dans la main. Donc, ok S'aventurer sur ce chemin, si vous êtes célibataire, hein, il y a marqué la personne concernée pourrait souhaiter faire machine arrière dans la découverte de l'autre. Donc, une personne qui pourrait vous dire Ouais, bah non, en fait, tu sais quoi, machin. Mais, on vous dit attention, euh, c'est peut-être parce que vous avez voulu trop en faire pour vous assurer que la personne s'intéresse à vous, alors si vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, toutes ces méthodes tous ces trucs, ah oh, bah tiens je vais pas répondre tout de suite pour qu'elle voit que j'ai une vie non, ayez une vie et vous aurez vous serez naturel en fait, vous n'allez pas vous prendre la tête, alors j'ai vu la page 111, je vous montre avant que ça passe à 17h18 parce que quand même, voilà, allez 17h17 je vous la donne, elle est pour vous et je vous dis ça à 44 minutes et quelques de vidéo est euh, toujours décalé avec le générique. Ah, alors il y a je, beaucoup de choses hein, que vous avez dû digérer, que vous avez dû absorber, que vous avez dû trier, que vous avez dû. En fait, vous vous disiez mais je le sais ça c'est une relation miroir, elle m'apprend rien, j'apprends rien, mais pourquoi bah, parce que vous étiez dans la notification de l'absence. Je reçois les messages, 444, 11h11. bah oui, l'univers, il vous dit, mais arrête de regarder les panneaux et roule. En fait, oui, on a bien reçu ta destination. C'est bien cette personne. Je culpabilise, j'ai peur. Une personne qui regrette d'avoir, euh, de s'être un peu, euh, voilà, bouclier du fossel, d'avoir fait le kéké, mais non. Ouais, non, mais c'est quoi, moi, machin et tout. Puis aujourd'hui, qu'il y a eu, donc, rupture ou cassure en fait, hein, parce que vous pouvez être encore avec cette personne, mais il y a un truc qui s'est un petit peu brisé, on en veut à la personne et on se dit, mais oui, mais j'ai confiance dans le fait que c'était nécessaire, j'ai confiance dans le fait qu'il fallait ça pour qu'on se retrouve, j'ai confiance dans le fait que euh, grâce à ça, on peut évoluer, passer à l'étape supérieure, ça peut être euh, vos noces de... Ben, en fait, j'en sais rien, <laughs> parce que je ne les connais pas j'ai peur de vous dire une bêtise coton ben non mais c'est un nom elle est con est... Ben, pardon. non 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 je, je, là je suis analphabète alphabète des, des années euh, de mariage peut-être noces de diamant de noces de j'y connais rien je, je sais qu'il y a coton je sais qu'il y a diamant je sais qu'il y a voilà mais euh, bon vous transposez à votre ambition la plus haute hein. faites-vous plaisir ok conscientisation Elle, 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 ah, elle sait, elle sait, elle sait tout autant que vous. Maintenant, ouais, elle, sait, elle a fait le key. Enfin, elle a fait il ou elle, hein, vous transposez, votre personne a fait le kéké. Je n'ai pas d'autre mot. Et aujourd'hui, elle s'en bouffe les doigts. Elle conscientise en tout cas qu'il y a quelque chose de très spécial et elle est en train d'équilibrer. Hein. Pendant que vous vous bougez pas, elle, elle se stabilise. C'est toujours à rebours. C'est-à-dire, vous, vous décidez de porter un pull rouge, le reflet, il va vous montrer quoi Un pull rouge. Ben là, la personne, vous vous stabilisez, elle se stabilise. Donc, vous allez, quand vous verrez le reflet dans le miroir, hein, vous allez voir que ça a changé. Je sais que c'est nécessaire. Il y a des étapes à franchir, euh, comme le pape le disait. Okay Et élévation vers plus de confiance. Mon passé. Voilà, croyance limitante. Je suis nostalgique. Autosabotage par le rejet. Hein. La personne, elle a fui. Elle était dans un attachement fuyant. Pendant que vous, vous étiez dans un attachement anxieux. Faut que je fasse pour lui prouver que nanani. Non, non. Maintenant, c'est bon. Euh... Allez, qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne-là au mois d'avril? Visu visuel, en rêve, peu importe. Je viens vers toi. Vous le savez. Je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie. J'en ai l'envie. J'en ai le besoin, je suis prêt, prête, prépare-toi à m'accueillir. Waouh! Là, vous pensez à elle, dites-vous qu'elle pense à vous, hein. d'accord? Bon, bah, les amis, c'est plutôt pas mal. Euh, on va en rester là pour celle-ci. De toute façon, on aura bien le temps d'ajuster hein, les énergies avec les guidances hebdomadaires. Si vous voulez savoir si vous êtes concerné, il y a les guidances privées, il y a un code promo, je vous le mets sous la vidéo. Privilégier la version web. Une, une gentille personne tout à l'heure que j'ai eu en guidance privée m'a dit la version mobile elle est infernale, euh, ça ne fonctionne plus, donc il faut que je, je retouche le site web. J'ai bien un après-midi devant moi pour le faire et là je n'ai pas d'après-midi devant moi euh, puisque je privilégie les vidéos YouTube. J'ai beaucoup d'envois à faire. J'ai aussi Patreon euh, dont je lance ce programme là euh, ce week-end pour les abonnés déjà abonnés. Euh, donc je vais faire ça, mais privilégié si vous voulez réserver, ce sera beaucoup plus simple et intuitif par la version web. Donc si vous allez sur mon site mangofedutaro.com, code promo, 15% sur les séances privées jusqu'au 1er avril. Donc euh, voilà, j'en profite pour vous le dire, sauf que je sais que je vais sortir la vidéo. Euh, dans quelques heures, voilà. Donc je vous aime, je vous embrasse amis Sagittaire. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc pour les guidances lunaires d'un côté, les guidances hebdomadaires tous les dimanches, et surtout, surtout, alors Instagram et du contenu. Il euh, y a des euh, petits tirages à choix, des tirages hebdomadaires aussi, et sur Patreon du contenu pour l'instant hebdomadaire qui reviendra quotidien quand j'aurai la fibre. Euh, que euh, voilà, qui va tranquillement se déployer jusqu'à chez moi et tirer son bras et dire tiens vas-y, allez, <laughs> envoie, 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 parce que là je vais envoyer du lourd. J'ai eu le temps de me préparer, j'ai eu le temps de vous préparer de belles choses, donc voilà, j'en dirai plus quand ce sera le cas, hein. vaut mieux le faire au lieu d'en parler. Donc je vais aller retourner à mes petites euh, occupations pour vous proposer du contenu encore plus riche. Bisous les amis, ciao ciao